Voilà, dans quelques secondes, la demoiselle Damaillou pour la vie, donc va entrer sur le terrain hein, maintenant d'ailleurs. Donc pour faire le coup d'envoi, ton prénom ? Lio. Et vous ? Marina et Lio, donc vont faire le coup d'envoi de ce match. Pour le premier match, on peut les applaudir s'il vous plaît. Ce premier match de la journée qui va opposer l'équipe de la JL Bourgoise, c'était dans l'autre sens. Voilà, Lio. Bravo. Voilà, donc Lio et Marina, association à maillot pour la vie, n'hésitez pas, 2 euros le ticket pour gagner un maillot d'une de vos équipes présentes. C'est la faute numéro 10, hein, Donald Copeland et pas Ousmane Barreau. Thank you.
Le troisième lieu numéro 9, Léo Mestamal, faute personnelle, attribué numéro 6, Moses Sanko, il y aura à lancer. C'est personnel à tenir numéro 9, Léo Westerman. Première fois.
On rentre en jeu numéro 6, Paul Lacombe, et numéro 19, Théo Léon. La sortie du numéro 9, Léo Westermann, qui est remplacé par le numéro 20, Glyn Jackson. Numéro 15, Octavio da Silva. Il remplace Ron Sanchez. BT 569 GV qui gère le quart de Chalon, donc
vous êtes prié, déplacez votre voiture, une Seat immatriculée BT569GV. Merci beaucoup.
personnel attribué au numéro 15, Octavio da Silveira. Thank you.
Votre personnel attribué numéro 5, Chess Delhomme.
ne pas avoir de numéro 10, Bengali Fofana, faute personnelle attribuée au numéro 11, Ousmane Baron. Deuxième faute. Jérôme Sanchez entre en jeu pour l'équipe de Villeurbanne du numéro 9 Cléo
Oscar Wilde en place Edwin Jackson. L'arbitre n'a pas discuté.
faute personnelle attribuée numéro 7, Malik Sidibé, deuxième faute. Et en mort demandé par la GMO Basket. Ce soir, nous sommes dans un tournoi, mais la semaine prochaine, il y aura un autre tournoi. Il
y aura l'open féminin donc vendredi ici même dans la salle de la Chiacourt. Et le samedi ce sera à Culoz. Donc pour le vendredi, pour la partie qui nous concerne, il y aura trois matchs vendredi, donc avec des équipes de Ligue féminine. À 17h, il y aura Chalmézo contre l'Union Basket Lyon. À 18h, il y aura... À 19h, pardon, pas 18h, ça fait un peu court comme timing pour un match. Donc à 19h, la GLBO reçoit l'équipe de Boncourt qui joue en première division suisse. Et à 21h, l'équipe de Lattes Montpellier reçoit l'équipe d'Aix-en-Provence ici. Ça de la GLBO. Pour les tarifs, c'est simple, c'est 5€ pour toutes les places. La billetterie, vous avez la possibilité d'acheter vos places à la boutique de la GLBO ou au comité de la basket, mais la boutique de la GLBO qui est plus proche de la salle. Donc le L'Open féminin, 17h, Chalmézo, Union Basket Lyon, 19h, chez Bourg-Boncourt et 21h, La Montpellier, Aix-en-Provence, 5€ la place. Thank you.
Thank you.
J'envoie l'équipe de Villarreal entre en jeu du numéro 8. Livio Jean-Charles, il remplace le numéro 21. Chilinski. Thank you.
Rio Jean-Charles. Changement pour jouer numéro 6 de Mercure Blanc qui remplace Angelo Sagarakis. Thank you.
Jackson. Personnel attribué au numéro 6, Moses Sorko, changement pour l'équipe de Villeurbanne, l'entrée en jeu du numéro 19, Théo Léo, qui remplace Paul Lacombe. Changement pour l'équipe de Villeurbanne, en jeu du numéro 9, Angelo Tsagarakis, il remplace Moses Sorko.
faute personnelle attribuée au numéro 9, Angelo Tsagarakis, troisième faute. Jackson.
seconde, le troisième carton, quatrième carton pardon, de ce match. Donc il va opposer quelque chose toujours. SGM Bourg, quelle équipe de Villeurbanne juste après se jouera la finale de ce tournoi qui opposera la chorale de Rouen en premier nom, Chalon. Yeah.
Yeah.
notre numéro 11, Isma Paris. De la 5e trop plus fin barreau qui est remplacé par l'occasion de la Silvera. Personnel attribué au numéro 13, Jérôme Sanchez, il y aura un lancer de 3. Changement pour l'équipe de Villarreal, entre en jeu numéro 9, Léo Westermann, il remplace le numéro 6, Paul Lacombe. Et cinquième faute pour Jérôme Sanchez. Il est remplacé par Chase Delhomme. Thank you.
Thank you.
personnel, la tribune numéro 10, Donald Copeland. Quatrième tour. Pour ce joli match, le premier match de cette journée, dans 30 minutes exactement, à partir de dans quelques secondes, là, débutera le match qui opposera la chorale de Rouen à l'Élan Chalais.